Du 4 au 10 mai 2021 se tiendront les élections de l'Université de Genève. C'est un moment phare de la vie démocratique de l'UNIGE, qui vous donne l'opportunité de faire entendre votre voix. En votant pour élire vos représentants et représentantes, en étant candidat ou candidate et en siégeant au sein des organes participatifs, ou en sollicitant vos représentants pour donner votre avis, transmettre vos idées ou trouver une solution à un problème, ces élections 2021 sont générales. Ce qui veut dire que l'Assemblée de l'Université, la Commission du personnel et les conseils participatifs des facultés sont entièrement renouvelés. Parce que ces organes sont participatifs, ils sont faits pour que vous participiez à la vie de l'université. Ce sont des organes de consultation, de proposition et de dialogue qui sont essentiels dans la gouvernance de l'institution. C'est également important car ces organes sont représentatifs. Les différents corps de l'université, soit les étudiantes et les étudiants, les professeurs et les professeurs, le corps intermédiaire, le personnel administratif et technique, y sont représentés et donnent leurs avis au nom de la communauté. Et elles font remonter des préoccupations et des idées et influencent la prise de décision qui vous concerne. C'est par exemple l'Assemblée d'université qui désigne le recteur ou la rectrice. Récemment, le Conseil participatif de la Faculté de Lettres a obtenu une semaine supplémentaire de révision pour les examens grâce à l'engagement des représentants et des représentantes. Bien sûr, il existe d'autres moyens de faire entendre votre voix à l'UNIGE. Vous pouvez par exemple participer aux enquêtes de l'Observatoire de la vie étudiante, évaluer les enseignements ou encore vous engager dans une association. Nous vous encourageons à saisir toutes ces opportunités de faire de l'université votre université. En 2021, les élections vous permettent de faire entendre votre voix de manière démocratique, afin que vos idées et vos sensibilités y soient représentées et entendues dans toute leur diversité. Soyez donc nombreuses et nombreux à participer en étant candidates et candidats, en siégeant dans les organes participatifs et en votant pour élire vos représentantes et représentants.